Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scobor. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo se trouve s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous et ne manquez tout simplement pas la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, tout le monde a un numéro, n'est-ce pas? Ça sert à quoi d'avoir un numéro? On te contacte par ton numéro. On t'appelle. Ouvrez ton téléphone. Et sachez que le diable ici a un numéro de téléphone. Et les gens peuvent l'appeler. Mais ce numéro, ne l'appelez pas. N'appelez jamais ce numéro-là. Jamais. Parce que si vous appelez ce numéro, vous risquez d'entrer en contact avec les démons. Et si vous lancez le numéro que vous coupez après, que c'est sonné, ils vont vous visiter la nuit. Ils vont vous visiter la nuit pour vous poser cette question. Pourquoi nous as-tu appelé? Et c'est là qu'ils vont vous tourmenter. Le numéro du diable existe. Et plein de personnes, plein de personnes qui appartiennent au Satan, des satanistes qui chantent dans leur musique, ont donné ce numéro-là. Je ne comptais pas sur moi pour vous donner le numéro. Vous connaissez le chiffre 666, qui est la marque du diable, mais le diable, il a son numéro. Je ne vais pas vous dire que c'est ça, ou vous dire que c'est autre chose, mais je vous dis tout simplement que le numéro du diable existe. Et si vous, vous avez réussi à avoir ce numéro, que vous n'avez pas appelé, ne vous lancez pas. Ne cherchez même pas à recevoir ce numéro. Si nous vous faisons cette vidéo, c'est pour vous prévenir que le numéro du diable existe. Et des artistes, des chanteurs mauvais, du moins des ténèbres, se permettent de mettre ce numéro-là dans leur chanson pour vous dire au passage, appelez, comprenez ce numéro, mes frères et sœurs. Ils peuvent vous dire, ils disent le truc rapidement, vas-y, vas-y, dis-le. Vas-y, vas-y, dis-le. Ils font comme ça. Vas-y, vas-y, dis-le. Ou bien, vas-y, vas-y, appelle-le. Dans la chanson, hein. Dans la chanson, rapidement. Mais toi, un jour, à force d'écouter cette chanson, le diable va attirer ton esprit, il va t'amener toi-même à appeler ce numéro. Et une fois que tu l'auras fait, ah là là, les démons vont te visiter la nuit et tu risques d'être initié par là. C'est pourquoi on vous dit qu'il est dangereux d'écouter la musique de tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ dans la musique. Pourquoi? Parce que vous pouvez être exposé à des démons. Des démons, vous pouvez être exposé, vous pouvez même être initié. Puisqu'aujourd'hui, même c'est ce qui est à la mode. Tu ne vas jamais trouver un clip où il n'y a pas de signes sataniques, des signes de monarque disant c'est impossible. Dès que tu vois un clip où on expose la nudité de la femme, fais attention, le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. On expose les parties intimes de la femme dans le clip. Et on voit ça partout maintenant. Fais attention, c'est le numéro du diable qui se trouve sur elle. Ne l'appelle pas. Ne compose pas ce numéro. C'est pour te dire en même temps, sors de cette chose, sors du monde. Fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu vois, car le diable travaille sérieusement contre ta vie. Et il y a plein de satanistes qui ont vendu les âmes au diable, qui travaillent pour Satan, qui sont là pour conduire le monde entier à l'enfer. Oh, mes frères et sœurs, le numéro du diable existe, mais ne l'appelle pas. C'est pas tout, c'est pas tout. On lit, c'est pas tout. On regarde, c'est pas tout. On doit écouter. Ça veut dire que tu dois faire attention aux portes de ton âme. Et les portes de ton âme, ce sont tes yeux, ce sont tes oreilles. Tu dois faire attention à où tu mets les pieds, avec quelle fille tu couches. Parce qu'il y a plein de filles sirènes qui descendent dans ce monde pour venir créer des problèmes aux hommes. Nous avons parlé de cette, nous en avons parlé dans la vidéo qui a précédé. Mais nous en parlons encore ici. Et nous en parlerons encore dans la vidéo qui va suivre cette vidéo. Apprêtez-vous, mes frères. Apprêtez-vous, mes frères. Car cette semaine, Yang Suban va encore vous faire des choses extraordinaires, vous montrer des choses extraordinaires, vous révéler, vous montrer des trucs, vous faire découvrir des trucs terribles qui vont vous réveiller, qui vont vous épater. Mais ce sont bien, des choses bien réelles. Et nous devons vous dire ces choses pour sauver votre vie. N'appelez pas le numéro de Satan. Ne le composez pas. Et faites attention à ce que vous écoutez.
faites vraiment attention, car des démons travaillent pour conduire l'homme à la perdition. Abonnez-vous à tous ceux qui vont activer la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. À bientôt, j'ignore ce que vous garde. Appelez Jésus, c'est mieux.